à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ma mère va vous apprendre à faire ce joli petit bonnet. Très facile à réaliser, 100% coton recyclé, cuit en maïsserie. Elle va vous mettre dans le descriptif de la vidéo les différentes tailles de bonnet. Vous avez besoin de 3 couleurs ou plus, ou vous pouvez en avoir qu'une seule. C'est parfait pour se protéger du soleil. Et comme c'est du coton, ça ne tient pas chaud. Si vous voulez suivre ce tuto, à tout de suite. Vous allez avoir besoin de 3 pelotes de 50 g chacune de coton, d'une épaisseur de 3,5 mm. Moi, j'ai acheté ce fil de coton qui s'appelle Drops Love You. Je vous mettrai dans le descriptif de cette vidéo le lien de la boutique dans laquelle je l'ai acheté. C'est du coton recyclé, je ne l'ai pas payé cher. C'est un fil qui est très bien en termes de qualité-prix et c'est du 100% coton. Un crochet numéro 3.5, un marqueur de rang, une aiguille à tricot et une paire de ciseaux. Avant de commencer, je vous invite à regarder ici, là, je vais vous mettre en lien mon tuto sur une petite astuce, c'est comment faire un cercle rond et bien rond. Voilà, parce que je ne vais pas m'attarder ici dessus, je vais directement commencer. Donc pour ceux qui ont envie d'avoir plus d'explications, qui n'ont pas très bien compris, puisque je vais aller assez vite, donc voilà. Alors, nous allons commencer par faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va tirer sur le petit fil et on va venir faire dans la première maille serrée une maille serrée. On va venir placer ici un marqueur. Et on va faire une augmentation de mailles serrées dans chaque maille. Comme on a 6 mailles, à la fin de ce tour, nous devrions avoir 12 mailles serrées. Je vais faire une deuxième maille serrée ici dans cette même maille. Puis 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui restent. On va venir serrer ici pour bien fermer le cercle. Une fois qu'on a terminé le deuxième tour, pour ce troisième tour, nous allons faire une maille serrée et une augmentation. Une maille serrée et une augmentation. On commence par faire notre première maille serrée ici. On remet le marqueur. Dans la maille serrée suivante, on fait une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, une maille serrée. Et ensuite, une augmentation jusqu'à la fin du tour. Voilà, nous avons fini ici le troisième tour et nous devrions avoir un total de 18 mailles serrées. Nous allons faire le quatrième tour. On enlève le marqueur, on commence par faire une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une augmentation. Et ensuite, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Donc, une maille serrée, une deuxième maille serrée et une augmentation. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. 2 mailles serrées et une augmentation.
On arrive ici à la fin du tour et vous avez, enfin, bien sûr, vous êtes aperçu qu'on a fait deux mailles serrées, une augmentation. Souvenez-vous qu'on a commencé ici par une maille serrée, ensuite on a fait une augmentation. Comme c'est un tour de deux mailles serrées et une augmentation, là on avait notre première maille serrée et on complète ici par notre deuxième maille serrée à la fin. Mais ici on va venir changer la couleur. Donc on va passer, on va faire notre maille serrée, on va pas la terminer avec notre premier fil, mais on va insérer notre deuxième fil. Pour notre cinquième tour, nous enlevons donc le marqueur. On va venir cacher ces deux fils en même temps qu'on va crocheter. On va faire notre première maille serrée. Donc, et pour ce tour, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. 3 mailles serrées, une augmentation. Sans décalage dans les mailles. Là, j'ai fait ma première maille serrée. Ensuite, 2, 3 et une augmentation. Donc 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation. On viendra couper ici ces fils à peu près à là quand on aura bien caché, on les aura bien cachés, on coupera. Voilà, on a terminé ici par une augmentation. On va faire maintenant notre tour numéro 6. On enlève le marqueur. On fait une première maille serrée et on remet le marqueur. On fait une deuxième maille serrée. Et dans la suivante, on va faire une augmentation. Et ensuite, on continue. Donc, 4 mailles serrées, une augmentation. 4 mailles serrées, une augmentation. Une maille serrée. 2. 3. 4. Et une augmentation. Et on va finir comme ça jusqu'à la fin du tour. Vous verrez qu'ici, nous terminerons le tour avec deux mailles serrées, les deux mailles serrées qui viendront compléter les deux premières du début du tour. Donc 4 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin. Nous arrivons ici à la fin du tour et nous devrions avoir 36 mailles serrées. Pour le tour numéro 7, nous allons faire 5 mailles serrées, une augmentation. 5 mailles serrées et une augmentation. Je fais la première maille serrée. Je remets mon marqueur. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et une augmentation. Cinq mailles serrées et une augmentation. Vous verrez qu'ici, on terminera par une augmentation. On a fini ici le tour numéro 7, vous devriez avoir 42 mailles serrées. On va faire le tour numéro 8 et on va faire une maille serrée. Une, deux, trois. Dans la suivante, on fait une augmentation. Et ensuite, 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation tout le long du tour. Et vous verrez qu'ici, nous terminerons le tour par 3 mailles serrées. Voilà, je termine mon tour numéro 8. J'ai ici 3 mailles. Je viens de terminer ici, donc, une augmentation. Je vais faire une maille serrée. 2 mailles serrées et dans la troisième ici je vais changer de couleur. Je vais enlever mon marqueur et je vais faire le tour numéro 9 où l'on va faire 7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées, une augmentation. Donc je fais ma première ici maille serrée,
Je cache en même temps ce qui me reste de fil gris et mon fil couleur moutarde et je viendrai les couper. D'accord, donc on a dit 7 mailles serrées et une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Et on va faire ça tout le long du tour. Ici, vous allez pouvoir couper. Donc, tout le long du tour. Et vous verrez qu'on finira ici par une augmentation dans la dernière maille. On a fini ici le tour. Nous devrions avoir 54 mailles serrées. Pour le tour numéro 10, nous allons faire 8 mailles serrées, une augmentation, sauf pour les premières mailles serrées. Donc on va commencer par une maille serrée, on va mettre le marqueur, on va faire une, deux, trois, quatre. Dans la prochaine, on fait une augmentation. Et là, ensuite, on continue. Donc, 8 mailles serrées, une augmentation. Tout autour, jusqu'à la fin du tour. Et on finira ici par 4 mailles serrées. Nous avons fini ici le tour. Et on devrait avoir 60 mailles serrées. On va commencer le tour numéro 11 et on va faire 9 mailles serrées, une augmentation, 9 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin du tour. Donc là, j'ai commencé ma première maille serrée, je mets mon marqueur. 2, 3, 9 et une augmentation. Et donc ainsi de suite jusqu'à la fin et on terminera ici par une augmentation dans la dernière maille. Voilà, nous avons fini ce tour et on devrait avoir 66 mailles serrées. Pour le tour numéro 12, nous allons faire 10 mailles serrées, une augmentation. Donc sauf pour les 5 premières mailles ici, on va faire d'abord 5 mailles. Une maille serrée, je remets mon marqueur. 1, 2, 3, 4, 5 et dans la suivante une augmentation. Et là ensuite je démarre donc par 10 mailles serrées, une augmentation, 10 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin du tour. Et ici nous finirons par 5 mailles serrées. Qui viendront compléter les 5 premières mailles serrées. Voilà, j'arrive à la fin de mon tour. J'ai fait ici une augmentation, il me reste 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et ici, dans la cinquième, je vais reprendre ma première couleur. Et donc, dans le tour suivant, le tour numéro 13, je vais attraper ici, tac, je vais faire une première maille serrée. N'oubliez pas de cacher les fils. Je mets mon marqueur. Et pour le tour donc numéro 13, nous allons faire 11 mailles serrées, une augmentation, 11 mailles serrées, une augmentation tout le long. On viendra terminer ici notre dernière maille par une augmentation. Donc voilà, au total nous devons avoir 78 mailles serrées. Donc on va faire maintenant le tour numéro 14. Moi ici j'ai déjà devancé, j'ai mis
j'ai fait ma première maille serrée, j'ai mis mon marqueur. Pour ce tour numéro 14, nous allons faire 12 mailles serrées, une augmentation, mais d'abord on va commencer par 6 mailles serrées, une augmentation, et ensuite on commence notre série de 12 mailles serrées avec une augmentation. Une maille serrée, donc 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Et maintenant, on fait 12 mailles serrées, une augmentation, 12 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin. Et on arrivera ici avec 6 mailles serrées qui viendront compléter les 6 premières mailles serrées. On arrive ici à la fin du tour et on doit avoir 84 mailles serrées. Pour le tour numéro 15, nous allons simplement faire 13 mailles serrées, une augmentation. On commence directement par les 13 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 13. Ensuite une augmentation, 13 mailles serrées, une augmentation tout le long du tour. Et quand on arrivera ici à la fin, nous devrions avoir donc une augmentation. Donc finir par une augmentation. Je répète, 13 mailles serrées et une augmentation. Nous avons fini ici le tour et on devrait avoir un total de 90 mailles serrées. Pour le tour numéro 16, nous allons faire 14 mailles serrées et une augmentation, sauf pour les 7 premières mailles. On va faire 7 mailles serrées au début et ensuite une augmentation, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et dans la suivante une augmentation. Et ensuite, on continue en faisant 14 mailles serrées, une augmentation, 14 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à arriver donc à la fin du tour, où on terminera ici par 7 mailles serrées, qui viendront compléter les 7 mailles serrées du début. Avant de terminer ici le dernier point, je vais changer la couleur. Pour ce tour, nous devrions avoir un total de 96 mailles serrées. Pour le tour numéro 17, nous allons faire 15 mailles serrées, une augmentation, 15 mailles serrées, une augmentation, et on commence directement maintenant, 15 mailles serrées, une augmentation, et on terminera ici par une augmentation. N'oubliez pas de cacher les petits fils ici, en même temps que vous crochetez. Une fois qu'on a terminé ce tour, nous devrions avoir un total de 102 mailles serrées, et notre cercle fait environ 17 cm de diamètre. On va arrêter là les augmentations et maintenant nous allons crocheter donc la hauteur du chapeau. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons faire que des mailles serrées. Plus d'augmentation, c'est terminé. Nous allons alterner 4 tours à chaque fois de couleurs. Nous allons faire 27 tours de mailles serrées à partir de maintenant pour avoir une bonne hauteur. N'oubliez pas d'alterner les couleurs tous les 4 rangs. À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai terminé mes 27 tours. À partir de là, vous pouvez compter les couleurs. Par exemple, vu qu'on a fait des groupes de 4 à chaque fois, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour le tour suivant, nous allons faire des augmentations. Donc j'ai changé la couleur. On va faire 3 mailles serrées, une augmentation. 3 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. Donc là, j'ai fait ma première maille serrée. 2. 3 et une augmentation. Donc
Donc on va faire ça tout le long du tour. On viendra couper les fils. 3 mailles serrées et une augmentation. On arrive ici à la fin. Là, j'ai fait donc 3 mailles serrées, une augmentation. Et je termine par une dernière maille serrée ici. Alors, à partir de maintenant, nous allons faire 11 tours de mailles serrées sans augmentation, c'est-à-dire que là on a fait une grise, on va en faire encore 3, et ensuite un autre groupe de beige et un groupe de couleur moutarde. Ça fait 11 tours en tout. Donc 11 tours en alternant les couleurs sans augmentation. Une fois qu'on a fait les 11 tours, on a terminé ici par donc 4 tours de la couleur moutarde. On va compter. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 rangées de couleurs. Pour le tour suivant, nous allons faire, on va changer de fil et on va faire juste un tour de cette couleur de maille serrée. Voilà, on arrive ici à la fin et ça va être notre dernier tour et c'est un tour de finition. On va simplement faire des mailles coulées sur chacune des mailles que l'on vient de faire. Surtout, ne serrez pas, ne crochetez pas serré. On va rentrer à l'intérieur de la maille comme si on allait faire une maille serrée, mais on fait une maille coulée. Je mets mon marqueur. Ça va donner une épaisseur à la bordure. Donc une maille, on rentre à l'intérieur. Oh, c'est flou. On rentre à l'intérieur et on passe par la boucle. On rentre à l'intérieur de la maille, on prend du fil et on passe par la boucle. Donc, on va faire ça tout le long et on aura terminé. Ne serrez pas. Si vous avez tendance à crocheter et serrer, vous pouvez pour cette finition changer la taille du crochet, prendre une taille, prendre un crochet de 4 mm. Voilà, quand on a terminé ici, on enlève le marqueur, on fait une maille coulée ici au milieu, une maille en l'air, on va venir couper, on passe le fil, on serre bien et avec une aiguille à tricot, on va venir cacher ce petit bout de fil en traversant ici les mailles de la même couleur et on va faire un aller-retour. Ensuite, on coupe à ras. Et voilà. On a terminé notre petit chapeau d'été. Voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez aimé, likez. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Je vous laisse l'explication ici. Mais surtout, aimez-vous, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao !